Hop, voilà, me revoilà donc pour une deuxième partie du coup. Il a fallu que je m'absente quelques minutes. Donc je vous disais, nous allons donc choisir le pochoir donc ensemble. Je vais donc partir sur du rouge, mais en oxide. Alors, rouge oxide. Je vais prendre... j'en ai deux. Rouge oxide. Je vais sortir les deux que j'ai. Et puis on verra niveau intensité ce que je souhaite. Quelque chose d'intense ou pas trop. Hop, voilà. Ensuite, donc le pochoir. Alors je vais juste ranger mes inks. Ça c'est fait. Hop, au niveau de la face, hein, c'est plein. C'est rangé, j'en parle plus. Voilà, donc désolé pour ce petit aparté. Donc nous allons choisir un pochoir ensemble. Donc moi, ma pochette pochoir déborde, hein, comme vous pouvez le voir. Ça c'est thème mer, thème floral. Donc j'ai un petit peu tous les styles de pochoirs. Donc j'ai plusieurs pochoirs de chez Action. Ah mais j'ai un pochoir alphabet, là vous voyez, je savais même pas. J'en ai acheté un l'autre jour. Regardez, il est là. Je vois, j'avais trouvé un autre et j'avais un pochoir alphabet comme ça. Ah bah d'accord. Bon bah c'est pas grave du tout. Hein. J'ai des choses en double. Ok, bon bref. J'ai un pochoir comme ça qui vient de Horizon Créatif. Du coup, je vous montre un peu ce que j'ai aussi en pochoir. J'ai l'impression que celui-là, je l'ai en double. Et ouais, j'ai un pochoir en double. Allez, bah ça y est. Pochoir en double. Oh, vinzou. Vous voyez, j'achète plein de choses et je sais même plus ce que j'ai. Là, c'est un effet mur. Regardez celui-là. C'est le même en plus. Je l'ai en doublon. Bon, bah si je l'ai en doublon, bah celui-là, il ira peut-être pour un futur concours, je pense. Je sais pas. Bon, bah du coup, je vais le mettre de côté. Je l'ai en double. Ça sert à rien de l'avoir en doublon. Voilà, j'ai encore des alphabets là. Ça, c'était un pochoir pour les fenêtres. Pochoir bulle que j'avais trouvé à Nose. Pochoir dentelle qui vient de chez Horizon Créatif. Encore Nose. Enfin, voilà, un petit peu mes pochoirs que j'utilise très rarement. Je les utilise pratiquement pas. Thème de la musique. Même... Un petit chipboard en bois quand j'avais fait le cercle, qu'on avait trouvé aussi pendant une période chez Action. De l'horloge, ça j'ai trouvé, alors je sais plus si c'est sur Amazon ou AliExpress ou Tonton Ali, je me souviens plus. Les blancs là, ceux-là. Voilà. Plein de choses. Là, de Stamperia, ça doit être chez Ninon. Encore de chez Action. Étoile aussi. Effet craquelé. J'en ai plein, vous hein, voyez, mais je les utilise pas beaucoup. Un nappe-monde. Ah bah encore de l'alphabet. Donc de chez Artemio, bah décidément. Je vais mettre avec le copain. Hop. Pochoir écriture. Là pareil, c'est des pochoirs qui viennent de chez Ninon, Horizon Créatif. Hop, voilà, voilà. Il y a de quoi faire, vous allez me dire. Il y a plein de choses. Celui-là, je vais me le mettre de côté. Je ferai quelque chose avec aussi. Hop, j'ai une idée qui me vient, là, en le voyant. Voilà. Alors, ça, c'est des petits pochoirs que j'utilisais sur la pâte Fimo. Donc, c'est intéressant. C'est petit, mais c'est vachement précis au niveau des coupes, au niveau pochoir. Donc ça, j'en avais acheté, voilà, par rapport à la pâte Fimo. Donc ça, c'est pas mal. Hop. Petit alphabet, petite... Ouf, je me souvenais pas que j'avais tout ça, vous voyez. Je redécouvre avec vous, en fait, mes pochoirs. Voilà, pâte Fimo aussi. Hop. Ah, bah ceux-là, ils sont pas rangés.
Voilà, j'ai un petit peu tous les mêmes styles. Vous allez me dire à peu près, grosso modo, hein, tout se ressemble. Hop, je voulais juste voir si j'en avais d'autres que je pourrais utiliser sur mon mood board. Ça vient tout de chez Action, hein. Je pense que vous les avez reconnus. Tac. Hop, ça c'était des pochoirs pour enfants. Là, je pouvais faire une boîte avec. Je l'ai jamais faite, je vous dirais. Hein. Ça, c'est surtout des pochoirs qu'on trouvait chez Noz. Ça, c'est mes tout premiers pochoirs que j'avais achetés. Ok. Alors, du coup, je vais rester sur les deux premiers que j'ai pris. Et comme je disais, ma pochette déborde. Un petit peu. J'essaie de les ranger par catégorie de grandeur. Hop. Voilà. Ça ensemble. Après. Ah ben là, je crois que j'ai les mêmes aussi. Ah ben de toute façon, il faut que je fasse un tri dans mes pochoirs. Et je pense qu'il y en a certains qui vont terminer pour un concours, je pense. Je vois que j'en ai encore un doublon là, il m'a semblé avoir aperçu. Donc il faut que je fasse le tri dans mes pochoirs. Voilà. Hop. Pour les pochoirs. Donc, je vais rester sur celui-là. Ça, je vais ranger. On verra après. Hop. Alors maintenant, je vais me décider au niveau floral. Lequel je vais utiliser. Pas tout ça, mais il faut que la vidéo avance. Alors, j'avais celui-là qui était sympa. Ok, bah, ou l'un ou l'autre. Du coup. Ou celui-ci. Ou celui-ci. On va plus partir pour celui-là. Allez. Maintenant, au niveau de l'intensité, je vais peut-être plus rester sur celle-ci. En rouge. Hop. Et on y va. Donc là, je vais faire des petits effets, en fait, au niveau donc de chaque rectangle carré. Je vais partir sur celui-ci. Donc là, j'utilise là donc Distress Oxide rouge et c'est là Candied Apple. Et ben allez, on y va. Donc effectivement, elle marque vachement plus que l'autre. Bon, c'est un peu l'idée de départ. Hop, voilà. Et pourquoi pas mélanger les deux. Ouais, on va mélanger les deux, comme ça au moins. Vu que j'arrivais pas trop à me décider sur les pochoirs, on va faire un mélange des deux. Hop, voilà, c'est pas trop gênant. On reste sur les mêmes couleurs. On va partir sur les deux du haut. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas mal. Je vais peut-être aussi tamponner. Alors, faire du tamponnage. Alors, attendez.
Tamponnage. Tamponnage fleurs. Je me garde à côté de moi des petits tampons, des petits trucs. Je vais tamponner cette petite fleur-là. Ça restera dans l'esprit de départ. Donc là, je vais utiliser mes verres saphines. Et je vais ranger mes oxides. Ça, c'est fait. Donc là, je vais mettre quelques tampons. Par-ci, par-là. Pour donner un petit plus à la carte. J'ai pas trop prévu de le faire, mais finalement je pense que c'est pas mal. Donc je vais dévider sur mon truc, hop, pour pas que ce soit trop apparent. Voilà, ah bah c'est quand même bien apparent. Donc là je vais mettre le vélo. Voilà. Je vais partir sur la plante verte. Ah bah ça n'a pas marché là. Et la dernière, je vais la mettre par là, mais si je vais y arriver. Voilà, ça fait un petit effet sympa. Après, vous n'êtes peut-être pas obligé de le faire. Moi, j'avais envie. Hop. Voilà, donc ça, au lavage. Maintenant, bah, il ne me reste plus qu'à enlever donc, le pochoir. Donc, si ça veut bien. Voilà. Hop. Donc voilà le rendu. Bon, je trouve que pour une première, c'est pas mal. Après, à en tester d'autres, hein, sur d'autres styles, d'autres façons, d'autres idées, d'autres couleurs aussi. Mon pochoir de base. Hop, allez, on y va pour la suite. Et ben là, du coup, ben, j'ai plus qu'à décorer. Donc, au niveau de mes petites images, photos, die cut, découpe. Après, vous mettez ce que vous voulez. Je vais quand même réutiliser du stick UU pour le collage. Ça reste du collant de chez Action et des fois on a des surprises. Hop, voilà, donc je vais utiliser une bande de chute de papier et donc je vais en coller. J'arrive à enlever la protection. J'ai vu que j'ai découpé, que j'ai enlevé la partie blanche, du coup il faut arriver à enlever la protection. Voilà. Et je vais donc rajouter un petit peu de colle au cas où. Par sécurité. Voilà. Et
Et j'ai vu qu'à me coller, où je pensais coller mes différentes images. Après, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Vous pouvez rajouter du noir. Donc, en fait, souligner vos rectangles. J'ai oublié de vous le dire. Moi, je vais le faire personnellement avec de l'encre black qu'on avait de calligraphie qu'on avait trouvé chez Action pendant une période. Je suis retombée dessus l'autre fois en rangeant. Et je suis aussi retombée sur les plumes, en fait. Et j'ai dit, bah, il faudrait que je les utilise. Donc moi, personnellement, je vais le faire avec ça. Vous pouvez le faire avec un feutre. En fait, c'est pour souligner vos encadrements que vous venez de faire. Vous voyez, j'y repensais maintenant. Donc on va le faire ensemble. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, j'avais envie. Donc je vais le faire. Je m'en mets plein les doigts de l'encre. Je suis désolée, j'aurai un petit peu les doigts noirs. Hein. Je suis vraiment désolée. Et je vais donc faire l'encadrement. Donc moi, pour faire l'encadrement, vous pouvez le faire ou à main levée ou avec la règle. Pardon, je cherchais le mot. Donc moi, je vais faire à main levée. Enfin, je vais essayer du moins. Si ça veut bien remplir. Au niveau du plumier. Oh la vache, ça fait énorme. Je pensais que ça allait faire un petit peu plus fin. Ça marche pas leur truc, hein. J'ai jamais essayé, je vous dirais, Action, hein. C'est la première fois que je m'en sers. Bon. Ça n'a pas l'air de marcher, leur système. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les utiliser ou pas. Il y avait plusieurs grandeurs. Donc là, c'était le numéro 3. Ça n'a pas l'air de marcher. Là, j'ai le numéro 4, 5 et 2. Alors, on essaye. Et si je vois que ça ne fonctionne pas, je prendrai un feutre, hein. Là, je vais coller quelque chose dessus, hein, c'est trop gros. Vas-y, ça marche. Oh la vache. C'est vachement grossier. J'aurais pensé à quelque chose de plus fin. Mais bon. Je vais coller des petites choses dessus, donc je pense que ça se verra pas trop. Voilà, ça a dépassé, voyez. Le pochoir a dépassé, là. Donc, je suis vraiment pas contente de ma création que j'ai faite avec vous. Là, je vous le dis, hein. Je suis mécontente de ce que j'ai fait. Au niveau du résultat, là, je suis pas contente de moi. Je vais le terminer, hein, mais je suis pas contente du résultat. Je suis pas satisfaite de mon résultat final. Voilà, simplement.
Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, hein, mais moi perso, ouais, je suis pas très contente de mon travail en fait. Après, ça va peut-être être joli une fois fini, hein, mais là pour l'instant, je suis pas contente de moi. Voilà. Pour ça, je vais faire les petits encadrements aussi là. Voilà. Non, j'ai plus qu'à tirer droit. Alors là, pour ça, je vais essayer de partir droite, hein, sans la règle. Mais c'est pas une bonne idée. Donc je vais quand même prendre la règle, tant pis. Non, j'y sens pas avec la règle. J'y sens pas. Je vais essayer sans la règle. Allez, on y va. Finalement, ça va plutôt pas mal. Après, c'est pas du droit droit non plus, hein. Je tremble un peu. Mais bon, tant pis. Parce qu'avec la règle, j'avais peur que ça bave en fait. Simplement. J'allais enlever la règle, j'avais peur que ça bave un peu plus. Hop, voilà. Après, je m'embête peut-être aussi avec le plumier, hein. J'aurais peut-être dû prendre un feutre, hein, tout simplement. Mais vu que j'y ai, j'avais envie d'y utiliser. Parce que problème d'achat Action, on achète, et puis des fois, bah. T'as tendance à oublier ce qu'on achète à pas utiliser alors. J'ai dit là, ça fera l'occasion d'utiliser le plumier. Je me mets de l'encre de partout sur les bras, les mains. Voilà. Hop, pour ceci. Là, je vais prendre une lingette. Il y avait une goutte d'encre qui est tombée sur ma planche, enfin sur ma table de. Sur mon plateau en verre là. Et j'ai pas vu. Je m'en suis mis de partout. Voilà. Voilà. Allez, on va utiliser donc. Maintenant, mes différents embellissements que je vais utiliser en collage. Hop, on verra ça après pour le nettoyage. Tac, allez, on y va. Donc, on en est là. J'avais utilisé donc cette chute pour le collage, mais je vais en prendre une autre. Le stick. Ensuite, nous en étions là. Donc, je voulais mettre ce pot de fleurs.
ici. Voilà. En fait, après, c'est un assemblage en fonction de comme vous voulez les installer, hein. Vos photos, images et autres, hein. Après, moi, je m'étais mis un peu, enfin, j'ai un peu mon plan dans la tête au départ d'hier, parce que j'ai commencé à préparer ceci hier soir. Et je m'étais un petit peu préparé, voilà, certaines choses où j'allais les mettre. Hop, donc je rajoute un peu de colle. Par sécurité. Celui-là, je vais le mettre là. Hop, celui-ci. Scarly. Du coup, je vais le mettre ici. Voilà. Après, celui-ci. Le papillon, je sais pas, je verrai après. Je vais mettre ce pot de fleurs avec cette fleur là. Alors, c'est en deux parties, d'accord. Hop. Ok. La fleur, je la mets là. Je moufle un peu le un petit peu le trait noir de tout à l'heure. Voilà. Hop, ça. Et donc, il me restait le papillon. Alors, du coup, le papillon, ben, je vais le mettre par là. Voilà. Un petit peu mon idée de départ que j'avais. Ensuite, on peut rajouter donc des tamponnages écriture. Alors, moi, pour le moment, je n'ai que le mot « love ». Qui était donc avec les images que je viens de coller. Donc le mot love, comme ça. Donc je vais le mettre, mais je voulais mettre d'autres petits messages. Donc pour l'instant, je ne vais pas le coller parce que je ne savais pas trop où le placer. Je vais voir en fonction des autres messages que je rajouterai sur ce mood board. J'espère que malgré tout, ça vous aura plu, que ça vous a inspiré. Après j'ai voilà, j'ai voulu vraiment partir sur du rouge, jaune et orangé parce que j'avais du violet là, j'avais du vert. Donc je voulais pas vraiment partir que sur du vert bleu. Au départ je voulais partir sur du bleu, vert, violet, machin. Et j'ai dit ouais non mais attends, pars peut-être sur des
couleurs totalement contrastées, différentes. Parce que tu as déjà pas mal de vert. Après, j'aurais peut-être dû. Mais bon, moi, dans l'ensemble, ça me plaît assez. Donc, je vais utiliser... Voilà, j'avais vu un petit sachet plastique qui vient de chez Action. Et je vais un peu maroufler mes différentes images pour faire tenir la colle. Hop. Je vous le dis pas, mais vous avez vu en image. Hein. Voilà. Je vais faire pareil pour le scarabée, la fleur là. Voilà. Et puis aussi de faire de cette façon-là, parce que vu que j'ai les doigts noirs, j'ai peur de mettre de l'encre sur le mood board. Hop. Voilà, on maroufle, hop. Voilà, donc il me restera donc plus que les petits mots à mettre. Pour l'instant, voilà, je savais pas trop quoi mettre ni où. Ou les petites phrases. Enfin, je vais voir comment je vais faire. Donc voilà le résultat. Donc j'en ai fait une autre dans la vidéo d'avant où je vous explique comment faire vos pochoirs, comment faire les choses. Voilà. Et du coup, ben voilà pour le résultat pour celui-ci. Voilà, donc moi finalement l'idée me plaît assez bien. Après, c'est pas parfait non plus. C'est mon tout premier, comme je vous ai dit. Voilà. Enfin non, pas le tout premier, le deuxième. Parce que vu que le premier, je l'avais fait. Mais alors attends, on va. Oula, pardon. Je pense savoir où je l'ai mis pour vous le montrer. Sur le thème mer. Alors, attendez. Hop, que je regarde par là. J'avais fait un petit peu de rangement. J'avais fait des cartes d'avance, si vous voulez. Et mes cartes d'avance, en fait, je les stocke à un endroit. Et je pense que cette carte-là, j'ai dû la mettre par là. Enfin, ce mood board, pardon. Enfin, c'est pas une carte, mais c'est un mood board. Alors, je regarde juste si c'est par là. Pour pouvoir vous le montrer. Eh ben non, c'est pas là. Tant pis, c'est pas là. Alors, où c'est que j'ai pu le mettre? Ce que je voulais quand même vous le montrer, c'était mon tout premier, mais je l'avais pas terminé. J'avais juste mis les couleurs et les différents die cuts sur le thème de la mer. J'avais pas mis de petits mots, j'avais rien mis pour l'instant. J'aurais bien voulu vous le montrer. Et je pensais que j'avais laissé sur mon bureau. Et en fait, non. Je le cherche, hein. J'espère juste le trouver. J'aurais vraiment voulu vous le montrer. Hop. Alors, moi qu'il soit à ce côté-là. Dernière chance. Dernière chance de le trouver. Et ben non, il est pas là non plus. Bon ben je suis désolée, je vais pas arriver à le trouver. Je suis vraiment désolée, je voulais vous le montrer, mais je sais plus où je l'ai mis. Donc si je refais une vidéo prochainement, si j'arrive à remettre la main dessus, je vous montrerai à ce moment-là. À moins qu'il soit juste là devant moi. Je regarde. Non. Non, et ben je sais pas. Bon ben je suis vraiment désolée. Donc voilà le résultat pour celui-ci d'aujourd'hui. Voilà, c'est plutôt assez sympa finalement dans l'ensemble. Sur ce, donc il me reste plus que les petits mots à mettre. À moins que le mot love, je le mets là. Là je mets une phrase. Je sais pas, je vais réfléchir et je vous en dirai la suite pour la prochaine vidéo.
Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Gros bisous. Et je vous dis à très vite sur Ilouda Scrap. Voilà, gros bisous. Bye bye. Ah, juste une petite minute. Vu que j'en mets un peu de partout. Ah, je l'ai trouvé. J'ai trouvé. Il semblait hein, qu'il était par là. Le premier moonboard que j'avais fait. Hop, je l'ai trouvé. Donc, j'avais pas rangé avec les copains. Regardez le tout premier que j'ai fait. Voilà. C'est le tout tout premier que j'ai fait sur le thème donc mer. Et ouais, je l'ai trouvé. Vous voyez, j'allais arriver à le trouver. Voilà. Donc le premier et le deuxième. Voilà. Un petit peu deux styles totalement différents. Mais que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire pour tous les deux. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Gros bisous. Et je vous dis à très vite sur Ilona Scrap. Voilà. Gros bisous. Bye bye.